Bonjour à tout le monde. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Monsieur le ministre de la Refondation, chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Monsieur le gouverneur de Koulikoro, monsieur le préfet de Kati, monsieur le maire de la commune urbaine de Kati, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de l'AGFO, l'agence de fonds d'accès universel, on parle très peu d'eux en oubliant que c'est eux qui nous ont autorisés officiellement à réorienter les fonds de l'AGFO vers cette structure. S'ils n'avaient pas voulu, ce projet n'allait pas avoir lieu. Je voudrais donc les remercier de leur compréhension et de leur appui. Mesdames et messieurs les opérateurs de télécommunications Sotelma et Orange Mali, eux aussi ont palpé d'eux, en oubliant que c'est eux qui alimentent le fonds d'accès universel. J'ai expliqué récemment, pour que les citoyens comprennent bien, même si les journalistes diront que le Premier ministre fait des hors sujets, c'est très utile pour notre population. L'important pour nous, c'est de faire comprendre ce que nous faisons. Quand un opérateur économique s'installe dans un pays, à l'issue de la privatisation, il a deux obligations. Il a son cahier de charges qui lui indique limitativement les zones qu'il est obligé de couvrir en téléphone dans un temps fixe donné par le gouvernement. En dehors de ces zones, il n'a pas l'obligation de le faire. Sauf si lui-même trouve son compte. Il peut étendre son réseau des zones que le gouvernement n'avait pas prévues. Il peut les couvrir. Je donne un exemple. Lorsque la société Mali Icatel, devenue plus tard Orange Mali, s'installait, en 2000-2001, il était prévu de couvrir un certain nombre de localités pour avoir 250 000 abonnés en 5 ans à leur installation. Lorsqu'ils ont fini de couvrir les 250 000 abonnés, alors que le pays, depuis l'indépendance, depuis 1960 jusqu'à cette date, avait seulement 120 000 citoyens connectés au téléphone, et Orange, disons, Malitel, disons, Icatel propose à l'État de faire 250 000 en 5 ans, vous savez que tout gouvernement va en être très heureux. Imaginez-vous qu'entre son installation et 2008, lorsque moi j'ai pris fonction à la MRTP, ça s'appelait le CRT,
Icatel était déjà à 2 millions d'abonnés. Imaginez-vous quel progrès pour un pays. Pendant 30 ans, nous avions 120 000 citoyens connectés au téléphone. Et voilà qu'au bout de quelques années, nous avons 2 millions de citoyens connectés au téléphone. En dehors des 250 000, tous les 1 750 000, c'était de la volonté et de l'intérêt de Icatel et naturellement de l'intérêt de la volonté aussi du gouvernement malien. La même chose, je peux la dire pour Sotelma. Pour ne pas vous prendre le temps, trop de temps, j'économise l'explication. Mais pour que tout le monde comprenne bien, que ce sont ces opérateurs qui ont une deuxième obligation vis-à-vis de l'État. Parce que quand l'État leur définit les zones où ils doivent aller, parce que c'est rentable, parce que les opérateurs économiques, ils ne viennent pas pour aller à la mosquée, pour demander Dieu et avoir les bénédictions à l'au-delà, ils cherchent leurs bénéfices ici et maintenant, dans ce monde-là. Mais les citoyens où il n'y a pas la rentabilité, où les opérateurs ne sont pas obligés d'aller, il reste des citoyens, donc ils ont droit au téléphone, à la communication. Donc pour égaliser, or c'est le rôle de l'État, pour avoir, pour donner accès à tous les citoyens au téléphone, l'État a institué une redevance que les opérateurs doivent payer tous les ans. Une fois qu'ils calculent après leurs bénéfices, ils le payent à l'État. Je ne sais pas, j'ai oublié maintenant si c'est 1 ou 2% de leur chiffre d'affaires. C'est ce montant qui est réservé et constitué le fonds d'accès universel. Vous entendez le mot universel. Pour que universellement tous les citoyens puissent avoir accès au téléphone. Par exemple, lorsque dans une localité, les citoyens sont dispersés, l'installation des réseaux téléphoniques n'est pas rentable, l'opérateur économique n'y va pas. Il n'est pas venu pour donner le téléphone à tout le monde, il est venu chercher de l'argent. Donc, ces citoyens qui n'ont pas accès au téléphone, c'est sur les fonds que l'opérateur paye, que l'État prend de l'argent pour financer l'accès au téléphone de ces citoyens. C'est ce qui s'appelle le fonds d'accès universel. Ce fonds, nous avons calculé entre 2008 et 2016, en tout cas lorsque j'ai quitté la MRTP, il y avait 30 000 villages au Mali, 3 000 villages disons, sur les 13 000 qui n'ont pas accès aux communications. Je disais au maire ce matin que chez mes parents Dogon, il paraît qu'il y en a qui vont sur des arbres ou sur des collines pour pouvoir avoir le signal téléphonique. Donc, il n'y a pas de téléphone dans leur zone. Il y en avait d'autres zones d'ombre vers Nara, il y en avait vers le nord. En tout cas, c'était 30 000, c'était 3 000. Donc, il s'agissait pour l'État de puiser dans cet argent pour amener la communication dans ces zones. Mais vous savez, chaque État a sa vision. Le rôle du régulateur en ce temps, c'était d'identifier les zones d'ombre, les zones où il n'y a pas de téléphone, et communiquer à l'État. C'est à l'État de choisir les zones où il veut amener le téléphone telle ou telle année. Une fois qu'il choisit, le régulateur sur le fonds d'accès universel finance l'opération. Maintenant, à sa réception, le ministre peut bien venir dire pour le président que c'est eux qui ont donné le téléphone. En tous les cas, ça ne vient pas de leur salaire, mais c'est une ligne politique qu'ils ont choisie. Et sur ce fonds, il y avait beaucoup d'argent. Mais, vous savez, dans beaucoup de pays africains, au lieu d'utiliser l'argent pour amener le téléphone, les communications chez les plus pauvres, généralement les hommes de pouvoir utilisent pour voyager, pour construire des bâtiments, pour acheter des voitures.
et les opérateurs juridiquement sont en droit de refuser de payer. Parce que les opérateurs ont un double intérêt dans l'affaire. Quand vous connectez des citoyens, même s'ils sont dispersés, ils sont connectés au réseau national, donc ça leur fait des abonnés de plus. Deuxièmement, dans leur cahier des charges, on ne leur a pas dit que les redevances vont servir à faire des bâtiments et faire des voitures ou bien voyager. Donc, dans certains pays africains, les opérateurs ont fini par refuser de payer. Ils sont allés en justice et ils ont eu raison. Chez nous, on a eu quand même l'avantage d'avoir quelqu'un qui a déjà fait le gouvernement. Donc, ça fait une sorte d'immunité. Donc, ces fonds ont été protégés. Toutes les tentatives de les utiliser pour construire des maisons ou faire des voyages ou acheter des voitures n'ont pas prospéré. Et en 2000, pendant que la liste des 3000 villages était communiquée à tous les gouvernements, donc en 2016, il y avait 37 milliards collectés dans ce fonds, mais qui n'étaient pas utilisés. Beaucoup de Maliens n'avaient pas de téléphone, pendant que il y avait l'argent. Certains voulaient voyager, aller à la Silicon Valley, faire des bâtiments, acheter des maisons. Bon, l'argent n'est pas sorti. Et enfin, il faut rappeler que c'est la MRTP qui collectait ce fonds. C'est lui le collecteur. Vous savez, l'argent, il faut qu'il dépense. C'est très facile. Vous savez, quand vous dépensez, c'est que l'argent que vous ne collectez pas. Je dis souvent aux enfants, quand vous travaillez pour avoir votre salaire ou quand les papas vous donnent, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc la MRTP faisait le papa, il collectait l'argent. Mais pour le dépenser, ça c'est le politique qui décide. Et quand la GFO a été installée, bon, ils n'ont pas eu la même orientation des politiques. On faisait souvent du sponsoring, du football, des affichages. J'ai dit, mais vous ne vendez rien, pourquoi vous faites du sponsoring? Vous n'avez pas besoin qu'on vous connaisse. Si vous amenez le téléphone quelque part, ça suffit largement. C'est pourquoi j'ai dit au DG de l'AGFO l'autre jour, vous avez le Premier ministre maintenant qui est devenu votre premier agent commercial. Depuis que j'ai été à Konobougou la dernière fois, on ne parle que de l'AGFO maintenant. Parce qu'il y a des élèves qui ont eu le téléphone. Maintenant, c'est les administrateurs qui vont avoir la communication. Donc, ils sont restés comme ça. Ce n'est pas eux qui décident, c'est le politique qui décide. Donc les fonds ont été utilisés à beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas utiles pour la population. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils ne pouvaient pas décider. Et c'est pour cela que je voudrais ici saluer de façon singulière les opérateurs économiques Orange Mali, Sotelma et la MRTP comme les fournisseurs et les protecteurs et les collecteurs du Fonds d'accès universel. Monsieur le directeur général de l'AGFO et vos collaborateurs, effectivement, vous suivez des instructions. Vous ne pouvez pas vous imposer à l'autorité politique. Je voudrais vous saluer tout de même pour votre engagement et votre détermination et votre flair à sentir que veulent les nouvelles autorités. Et le DG, en tant que bon soldat, n'est pas allé chercher midi à 14h. Il s'est dit, mais qu'est-ce que les autorités veulent maintenant? Lorsque je l'ai trouvé en place, vous savez, ça arrive dans les administrations, on change tout le monde. Donc on a dit de le changer. Là-bas, il y a beaucoup d'argent. Vous savez, j'ai reçu deux vérifications sur les comptes de l'AGFO. Parce que les gens n'imaginaient pas que tant d'argent peut rester là-bas et qu'on n'a pas diverti ça pour aller ailleurs. Lorsque nous lui avons dit, en tant que bon soldat, et je crois que ce n'est pas par hasard que le président du SNJ l'a accompagné ici, histoire de montrer aux Maliens que eux, là où ils sont, ils ne font pas comme tous les autres. Je voudrais saluer les éléments du SNJ et me féliciter du retour du service national des jeunes, qui est une volonté politique du président. Parce que quand vous passez par le SNJ, ça laisse toujours des traces sur votre façon de voir et de travailler. Je voudrais donc saluer le président du SNJ, de leur organisation, l'AMA SNJ, qui est là, pour
pour être venu soutenir son frère, ami et compagnon d'armes. Je voudrais, mesdames et messieurs, à l'entame de mon propos, après avoir salué bien sûr les hommes de presse, il ne faut pas commettre l'erreur de les oublier, parce que si jamais ils sont fâchés, c'est tant pis pour vous. Surtout lorsque vous êtes marié à une journaliste encore, vous pouvez être sûr que votre journée ne va pas bien se passer, et d'ailleurs tout le reste de votre vie. Après les avoir salués, mes chers parents, frères et beaux-frères, belles-sœurs, je voudrais vous dire à tout le monde que vraiment, vous savez, les hommes ont leur agenda dans la vie. Mais il y a l'agenda toujours de Dieu. Lorsque ce fonds a été créé, combien de difficultés nous n'avions pas eues. Personnellement, j'ai frôlé la porte de la prison plusieurs fois. Convoqué au ministère, à la présidence, parce que des hommes et des femmes voulaient porter atteinte à ce fonds. Lorsque nous sommes partis, ce qui s'est passé, ce n'est pas notre affaire. Lorsque par un heureux hasard des circonstances, nous sommes revenus à la primature, président du conseil d'administration. Ça, c'est l'agenda de Dieu. Ce n'était pas le calcul de quelqu'un. J'ai tout de suite appelé le DG de l'AGFO. J'ai dit, bon, les fonds qu'il y a chez vous, là, et les 3000 villages que j'avais laissés, est-ce que vous avez la liste? Comment faire pour que ce que le président de la transition veut, ce que le gouvernement veut, ce que le Conseil national de transition veut, souhaite et a voté, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les actions du gouvernement se fassent de manière à sentir la prise en charge des intérêts du peuple. Le président a l'habitude de nous dire, le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Ceux qui ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes, qu'est-ce que dans ce fonds nous pouvons faire pour eux? Trouvez-moi des solutions. Proposez, vous avez la chance, il y a une autorité politique suprême aujourd'hui qui n'attend que des propositions. Et le DG m'a dit, il y a plusieurs propositions qui nous ont été soumises. Que j'ai soumis à l'appréciation du conseil d'administration, qui après de larges explications, comme celles que je suis en train de vous donner, parce que beaucoup ne sont pas spécialistes des télécoms, ont applaudi des deux mains et ont voté les budgets nécessaires. Ce n'est pas par hasard que je les ai salués, parce qu'ils auraient refusé. On avait sorti par exemple 20 milliards, 30 milliards du fonds de l'AGFO, mais ils ne pouvaient rien faire. Cette fois-ci, il y a une autre proposition, ils ont applaudi des deux mains et ils ont voté. Et nous avons décidé d'aller vers ce qu'on est en train de vous expliquer. Et c'est pour cela que je suis honoré aujourd'hui d'être parmi vous en ce haut lieu de l'administration de notre pays. Et c'est pour moi un réel plaisir de présider la présente cérémonie de lancement du projet de désenclavement d'accès aux services de télécommunication des collectivités territoriales dans cette enceinte de la Direction nationale de l'État civil. Mesdames et messieurs, l'événement auquel nous assistons aujourd'hui rentre dans le cadre de la mise en place d'infrastructures de télécommunications privées au niveau des différentes représentations de l'État à travers le pays, afin d'améliorer les conditions de travail des représentants de l'État et de faciliter le retour progressif de l'administration. Pourquoi je dis que je suis heureux et très fier aujourd'hui? Pour un certain nombre de raisons. C'est vrai, représenter le chef de l'État à ce niveau, c'est un honneur et un privilège. Mais c'est aussi une sorte d'ode aux administrateurs civils. Voilà des hommes qu'on oublie souvent. Mais en réalité,
Quand la rébellion a commencé au Mali, le 28 juin 1989, est-ce que vous savez que la première victime, c'était une administration civile? Ceux qui sont terroristes aujourd'hui, la même personne, ils l'ont égorgé. Ils ont égorgé son épouse qui était enceinte. Ils ont égorgé les gardes. Ils ont égorgé les prisonniers. Et le lendemain, ils sont allés tuer nos militaires qui étaient à Menaka. Le terrorisme a commencé au Mali par l'élimination physique d'un administrateur civil. De la même manière dont les soldats se sacrifient, voici des hommes qui se sacrifient au jour le jour, dans les coins les plus reculés. Les gouverneurs et les représentants de l'administration sont nos vrais représentants et je suis fier aujourd'hui d'être au sein d'une équipe qui va travailler, Inch'Allah. Et monsieur le ministre de l'administration, vous n'en doutez même pas, vous prêchez déjà à un convaincu. Vos désirs, tant que l'AMRT n'a pas les moyens, nous allons les faire. Parce que notre souci, c'est qu'à terme, tous les matins, le ministre de l'administration puisse parler à tous les gouverneurs, qu'eux puissent parler entre eux, qu'ils puissent parler à tous les préfets, qu'ils puissent parler à tous les sous-préfets, à tous les maires. Et que de son bureau, le ministre de l'administration territoriale puisse regarder tout le pays. Tous les maires, tous les matins, tous les sous-préfets, tous les gouverneurs pourraient être un ministre effectivement éclairé qui peut interroger n'importe quel chef d'arrondissement, n'importe quel maire qui vont sentir qu'ils ont un chef qui les commande, qui les surveille. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Vous savez, la lutte contre la corruption, là, on en parle beaucoup, mais en réalité, les 70%, c'est la prévention. Quand quelqu'un a un poste, il sait qu'il doit faire un travail et qu'il est surveillé, mais il va faire son travail correctement. Mais s'il sait qu'il est débit à la fin, il ne connaît personne, il ne fait que collecter les impôts, même si souvent, le ridicule ne dit pas, hein. Nous on s'est ingénié à créer des communes de 11 personnes au Mali. On a eu ça aussi. Hein. Dans tous les cas, je veux dire qu'à terme, le ministre de l'administration aura les moyens de savoir tout ce qui se fait dans le pays à travers son réseau sécurisé et privé de l'administration d'État. Moi, je suis fier aujourd'hui de participer au début de cette grande épopée. Dans quelques années, ils n'auront pas besoin d'intermédiaires pour savoir qu'est-ce qui se fait. Mesdames et messieurs, je disais tout de suite que l'AGFO, c'est des techniciens. Ils ne peuvent pas eux-mêmes dépenser l'argent. On peut les obliger à sortir l'argent et l'utiliser à autre chose. Comme je vous ai dit, des sponsoring, voyager dans des grandes institutions internationales avec peu de résultats, des matchs de football, des affiches, des annonces, ce qui n'est pas leur travail. Mais on les oblige à faire. Et si tu refuses là, le conseil des ministres prochain, on abroge ton décret. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être surveillés, ils ont besoin qu'on leur indique ce qu'il faut faire. Et ils ont eu la chance qu'il y a un président et un gouvernement qui ont une vision. Je viens de vous dire, la politique pour nous, pour notre président, pour notre gouvernement, c'est de résoudre les problèmes concrets des citoyens. Ce n'est pas être tout le temps dans les journaux et dans les médias en train de parler. D'ailleurs, les gens ne disent pas plus que ce qu'il y a dans les... Il y en a qui lisent un journal, ils voient quelque chose là-dedans, ils vont en parler. Sinon, lui-même, il n'est pas très informé. Ils sont au même niveau d'information que les journalistes. En plus de ça, il faut réaliser et résoudre les problèmes concrets. Et je venais de vous dire que le président nous dit chaque fois que le centre de gravité du gouvernement de transition, c'est le peuple. Et donc, lorsque l'AGFO a eu le bonheur d'être sous le commandement d'une équipe où le président et le ministre ont des objectifs précis, la tâche leur est facilitée. Le reste, c'est des affaires techniques, des affaires de marché. On ne s'en occupe pas. Personne.
Avant, on faisait les marchés, après on dit à l'AGFO de sortir l'argent. Si jamais ils refusent de sortir l'argent, c'est tant pis pour eux. Maintenant, on leur dit ce qu'on veut. Ils règlent techniquement et financièrement, ils résolvent le problème. Et nous avons aujourd'hui une situation extraordinaire. Le pays est en crise. Avec les efforts du ministre de l'administration territoriale, l'administration est en train de s'installer partout dans le pays. L'armée fait son travail à Kidal. Donc, accompagner le ministre dans la communication pour que toutes les administrations soient reliées, c'est un accès universel. Parce que l'accès universel, elle peut être territoriale, elle peut être sociale. Par exemple, la seule fois où en son temps, moi j'ai accepté qu'on débloque des fonds de l'AGFO, c'était pour amener la fibre optique à l'université. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de pauvres là-bas, pour qu'ils aient accès à Internet pendant un an. Et on a payé la location de la fibre pendant un an. Bon, le reste, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Et donc, en accompagnant le ministre de l'administration territoriale, en ce qui nous concerne, nous de l'AGFO, comme dit le président, Beki Djo Yorola, AGFO ya Djo Yorola, amener la communication au ministre de l'administration territoriale pour qu'il puisse être commandé comme il faut, ses gouverneurs, ses préfets, ses maires. Je pense qu'ils ont fait œuvre utile. Et c'est pour cela que je disais tout de suite au ministre de l'administration qu'avec les efforts qu'il est en train de faire pour le déploiement de l'administration sur tous les territoires, il peut compter sur l'AGFO. Tout ce qui peut nous arrêter, ça peut être un manque de moyens. Sinon, tout ce qu'il va demander, on le fera. Ce n'est pas à cause de son nom. Parce qu'il est méga, le premier ministre est méga. Ce n'est pas ça. C'est parce que nous voulons une administration effectivement décentralisée et qui ait un commandement à la page. Pour que, en plus des nominations qui sont plus faciles, on vient de nommer le gouverneur de Kidal, les préfets, les sous-préfets dans beaucoup de régions, bref, dans tout le pays. Sur le plan de la nomination, il a fait l'effort de couvrir le territoire. Maintenant, nous allons l'accompagner. Partout où l'État n'a pas les moyens, nous allons être à ses côtés, à côté du ministre de l'administration et du ministre de la communication, pour que les hauts fonctionnaires, et même les fonctionnaires simplement, même s'ils ne sont pas hauts, de l'administration, puissent communiquer dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Le gouvernement de Kidal, il vient de s'installer, vous l'avez vu à la télé tous. Je ne fais pas d'hors sujet, mais je dois vous dire que je suis très fier de ce que j'ai vu. Tous les Maliens sont fiers et j'ai tenté de téléphoner, même si je n'ai pas pu, pour l'encourager. Parce que quand les gens travaillent, ils ont besoin aussi que leur travail soit vu et reconnu par toute la population. C'est ça la satisfaction morale. C'est plus important souvent que la satisfaction matérielle. Donc, dans ce contexte, il nous faut nécessairement accompagner le ministère de l'administration territoriale. Ce travail a été possible, celui qu'on est en train de faire, grâce au concours de l'AGFO, qui, au regard de ses missions, contribue de façon significative, sous l'autorité du conseil d'administration, à la couverture réseau et à l'aménagement numérique du territoire, participant à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la fracture numérique dans notre cher pays. La création de l'AGFO, mesdames et messieurs, faut-il le rappeler, résulte d'une volonté unanime des Maliens d'avoir les moyens de communication sur l'ensemble du territoire. Mais sa réalisation aujourd'hui incombe à l'AGFO. Et dans le but d'atteindre cet objectif, sur décision du conseil d'administration, l'AGFO a entrepris d'équiper le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation d'un système de communication privé, efficace et fiable. La mise en œuvre de cette décision nous a conduit à la cérémonie d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, en ces lieux,
pour la coupure du ruban symbolique pour le lancement du projet d'accès aux services de télécommunication des collectivités. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, je suis fortement convaincu qu'il y a tout au Mali pour tout faire. Il y a de l'argent au Mali. Il suffit juste d'avoir un chef qui a une vision et qu'on l'utilise de façon rationnelle. L'illustration la plus parfaite, c'est l'armée. Mais c'est les mêmes militaires, dans le même pays, avec des terroristes qui sont sponsorisés par des gens de plus en plus forts, plus en plus nombreux. Mais l'armée a fait son travail. Les 80% des Maliens ne croient plus qu'on pouvait aller à Kidal. Certains qui sont très instruits, qui voyaient, se moquaient d'un de nos militaires. Mais aujourd'hui, on a tenu, on a repris Kidal, alors qu'on nous a coupé près de 600 milliards par an d'appui de l'extérieur. Ça veut dire qu'en nous organisant, il y a les moyens au Mali. Il suffit de bien les utiliser. Beaucoup de Maliens ne connaissaient même pas les vaisseaux de l'AGFO. Pourtant, il y avait beaucoup d'argent qui était déposé là-bas. Je vous dis qu'à mon temps seulement, j'ai laissé là-bas 37 milliards. Pendant que d'autres, les Dogons montaient sur les arbres et les collines pour téléphoner. Donc, il y a les moyens dans un pays. On a aujourd'hui un président qui a une vision. Cette vision a été traduite par un triptyque que tout le monde répète aujourd'hui et que nous avons constitutionnalisé. C'est écrit dans la Constitution. Donc, ce n'est plus la volonté d'un chef. N'importe qui vient, c'est dans la Constitution maintenant. C'est de respecter la souveraineté du Mali. C'est de respecter ses choix stratégiques et prendre en compte à tout moment les intérêts supérieurs de notre peuple. À travers ce que le ministre vient de dire. Nous avons passé le temps à défendre notre pays et on continue à le défendre. Nous avons passé le temps à expliquer au monde entier, notre ministre des Affaires étrangères, sur l'instruction du président, a été de tous les plateaux pour qu'on ouvre les yeux aux Africains. Maintenant, serrons la ceinture pour développer économiquement et socialement notre pays, pour que tous les citoyens se sentent heureux, comme je l'ai dit, que ce malade-là, dont tout le monde, certains se moquaient il y a quelques années. Heureusement que tous ceux qui se sont moqués ou se sont mêlés des affaires du Mali, ils ont mal fini. Ce malade-là, nous allons le soigner avec votre aide. Nous allons le faire asseoir, le faire marcher, debout d'abord. Il est déjà debout, il marche. Maintenant, il faut qu'il court plus vite. D'ailleurs, il court parce que tellement il court vite qu'il surprend les gens. Vous savez que quand on a pris Kidal, la CEDEAO qui est prompte à prendre tout le temps des mesures, elle n'a pas été au courant. Elle a fait un sommet, mais personne n'a parlé de Kidal. Lorsque des milliers de Maliens ont été tués au nord, là, personne n'a envoyé même une lettre de condoléances à notre président. Mais ça, c'est quel genre de chef d'État? Ou des chefs d'État, comme je l'ai dit l'autre jour, ça fait un peu rire les gens. Il dit non, lui ne prend pas de photo avec le président du Mali. Il est venu par coup d'État. Et quelques semaines après, on voit le même président avec un autre militaire qui a fait un coup d'État. Très souriant, il fait un selfie à côté de lui. Il se met d'abord en pipao pour que ça soit bien connu. Après, il se met en veste. Et le même président, mais c'est lui qui vous a dit de faire ça, il ne va plus vous respecter. Ce sont les mêmes personnes, je vous dis, en 2012. Quand il y a eu l'investiture de ce même président, la même CEDEAO s'est réunie pour qu'il mette en place une force d'attente de 3000 hommes. Elle attend jusqu'à présent. C'est l'autre jour qu'elle voulait tomber sur le Niger. On leur a dit d'attendre. Ils sont en train d'attendre encore. 3000 hommes. Ce même président a son investiture. Vous savez ce qui s'est passé? Le ministre français des Affaires étrangères est venu rentrer là-bas à la Réunion. Il dit non, non, non. 3000 hommes, c'est trop pour seulement 500 terroristes. Mais quelle est son affaire?
un terroriste qui vient chez nous, même s'ils sont 20, si nous relevons 20 000 pour aller les éliminer, où est son problème? Il est venu dire non, 3 000 hommes de la force d'attente, c'est trop pour seulement 500 terroristes. En 2012, à l'investiture de ce même président, et cette force d'attente, depuis 2012, elle est en train d'attendre. Elle s'est réveillée l'autre jour pour dire qu'elle va aller tomber sur le Niger. Après, depuis que le Mali et le Burkina l'ont bien regardé, l'ont mis en garde, ils ont dit à la force, va attendre encore. Elle continue à attendre. Avant, ils avaient besoin de 2 milliards, ils disent qu'ils ne l'ont pas eu. On leur a promis 3 milliards. Je ne sais pas si on leur a donné ça. En tout cas, elle va continuer à manger son argent et à attendre. Elle ne viendra pas chez nous. Parce qu'on a tout compris maintenant. Notre destin, c'est dans nos mains. Personne ne viendra nous délivrer. Et les pays membres de l'AES ont si bien compris qu'ils se sont comportés comme des frères. Nous ne sommes pas seulement des parents, des amis. J'ai dit aux gens, les amis, on les choisit souvent. Mais les parents, on ne les choisit pas. Nous sommes des parents. Et lorsque un d'entre nous a été menacé, tous les autres parents se sont levés. Nous avons une force à laquelle il faut que vous croyiez. Nous avons près de 80 000, la population. Nous avons près de 2 800 000 km². Si nous nous mettons ensemble, c'est une puissance. L'essentiel des recherches, des richesses minières dans le monde, beaucoup qu'on retrouve dans le monde, il y en a aujourd'hui. Et regardez seulement comment le prix de l'uranium a pris l'ascenseur. Avant, ils marchaient à pied. Tant qu'ils étaient avec les autres, ils marchaient à pied. Maintenant, il a couru, il dit ça ne suffit pas. Maintenant, il a pris l'ascenseur. Mais seulement l'augmentation du prix de l'uranium dans le monde, si on le distribue normalement, la force d'attente, elle n'a qu'à continuer à attendre. Nous, on va résoudre nos problèmes. Les pays de l'AES. Au nord, vous savez qu'il y avait des mines d'or qui étaient exploitées par des groupes. Cet or-là, par où? Des milliers de Soudanais et de Tchadiens étaient au Mali, en train d'exploiter de l'or. Où va cet or-là? Il y avait un État dans l'État, des gens vendaient des terrains. Mais ils ont cru que ça ne va jamais finir. C'est terminé. Et l'armée, Dieu a fait que l'armée a fait que c'est terminé. Maintenant, c'est votre rôle. Les Maliens, les membres des pays de l'AES, nos dirigeants nous ont donné une chance historique. Parce qu'au lendemain des indépendances, alors que les peuples voulaient l'unité, les dirigeants se sont mis à se disputer. Certains, on leur a offert un petit siège, ils ont refusé de signer l'accord. Maintenant, on a eu des dirigeants qui voient loin. Mais ils ont besoin d'être soutenus. Nos armées ont besoin d'être soutenues. Pour combattre le terrorisme et faire en sorte que nous n'ayons plus de problèmes, sauf avec les partenaires qui veulent travailler avec nous. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons constitutionnalisé les principaux objectifs de la rectification, de la trajectoire de la rectification, de la transition. Parce qu'on a rectifié la trajectoire. Elle partait comme ça vers l'Europe. On a dit non, il faut descendre en Afrique. Donc on a rectifié la trajectoire. Et on est aujourd'hui en train de faire le Mali Croix. Et les descendus ont fait le Malikoura maintenant. Serrez vos ceintures. Ce que nous faisons avec l'administration là, il faut que dans chaque domaine, chacun fasse la même chose. Hier, c'était les élèves. Aujourd'hui, c'est l'administration. Demain, il faut que ça soit des villageois. Il faut que ça soit dans les champs. Chacun n'a qu'à faire son travail. Beki joy yoyorola. C'est ce que notre président dit à tout le monde. Donc, vraiment, je déclare lancer cette opération et j'attends maintenant le DG de l'AGFO et les ministres pour savoir ce que nous devons faire. Merci. Attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Vous restez en place. Le Premier ministre et les membres du gouvernement et le directeur de l'AGFO vont venir pour la coupe du ruban symbolique.
ainsi que le gouverneur de la région de Kulikoro. Et juste après, ce sera la remise symbolique du matériel que le directeur général de l'AGFO remettra au Premier ministre, qui à son tour le remettra au ministre d'État chargé de l'administration territoriale. Et la découverte de ce centre de monitoring qui permettra aux collectivités d'accéder aux télécommunications. Accompagné des membres du gouvernement, il va découvrir ambe do ok ala kambe ni wanse gi anga bara ero na anga demba ya ola ala ni tu ay ola jigi ala jigi ate ko igalo ate bi ni min bi na mbata ala jigi ay uta ka jigi ka ta posta la pa ko ala black rafa en fait un peu aka green done ay ni mo nao wala bala jigi de ce côté aka jigi ko ka bot ya te mero ina ko voilà, là, je vais vous montrer.